السلام عليكم، انا امال وانتم احبابي. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين. بونجور ميز امي، سي مو امال. جيسبر كو فوز الي بيان، كو فوز ات ان بون سانتي، ان بون فورم اي ترانكيل. الوغ جو ريفيان افيك ان اوتر سوجي انتريسون. سي ان سوجي داكتواليتي كي ايت ان ريلاسيون افيك لا سيتواسيون دون لاكيل نو نو تروفون اوجوردي. ان سوجي داكتواليتي سي موضوع الساعه، عنده علاقه بالوضعيه اللي رانا فيها والواقع اللي رانا عايشينه. اي جو في فو اكسبليكي تخوا مو دي مو كو جو نسيس دو فوار على تيليفزيون او سور لو نت depuis la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est l'asthme asahia. Ce sont des mots très proches, ils se ressemblent, mais ils ont un sens différent. Mais avant de commencer mon explication, je vous invite, mes chers amis, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner ou hashtag l'arabia et la petite cloche. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Très bien. Alors, je reviens à mes trois mots. Et les voici. Voilà. Donc, on a épidémie, pandémie et endémie. Vous voyez que ce sont des mots qui se ressemblent. Épidémie, pandémie et endémie. Alors, c'est quoi une épidémie? On commence par le premier mot. Une épidémie, c'est une maladie qui touche un grand nombre de personnes, et qui se propage dans la même région ou le même pays. Se propage dans la même région ou le même pays. Ça, c'est une épidémie. Par exemple, l'épidémie de la grippe. Voilà. Deuxième mot, la pandémie. Alors, la pandémie, en fait, c'est une épidémie qui touche une grande partie significative. Mu'tabara, yani tqis adad kbir min shu'ub. وعدد هائل من الشعوب، une partie significative des populations dans une de dans plusieurs pays ou même plusieurs continents. في عدة بلدان، في بلدان كثيرة، ولا حتى في قارات، يعني تخرج هي elle dépasse les frontières، تفوت الحدود. Donc la pandémie, je répète, la pandémie est une épidémie, mais c'est une maladie qui touche une grande partie significative des populations. تقيس عدد كبير هائل معتبر من الشعوب. ماشي شعب واحد، شعوب كثيرة وفي بلدان كثيرة وفي قارات كثيرة. ليكزامبل سي لو كوفيد 19، كورونا فيروس est une pandémie. Voilà, il s'est propagé dans le monde entier. On a dit propager et entacher. Donc entacher في العالم الكل. Troisième mot qui est endémie. Alors l'endémie, c'est quand cette maladie ne disparaît pas. Cette maladie a une présence permanente. عندها وجود دائم، ما تروحش، عندها وجود دائم. Donc c'est une endémie. On a l'exemple de la malaria. مرض الملاريا. La malaria qui se trouve dans certains pays africains. Donc c'est une endémie. Voilà les trois mots que je voulais expliquer. Donc épidémie, quand la maladie touche un grand nombre, mais dans une région déterminée ou dans un pays. La pandémie, quand la maladie se propage dans plusieurs pays et voire dans des continents. Et la troisième, le troisième mot, c'est l'endémie, qui c'est la maladie qui a une présence habituelle, permanente, marad yqad daim mustamir ou mayouch. Voilà. Mais mes chers amis, je ne vais pas vous quitter comme ça, puisqu'on a parlé de virus et de coronavirus et Covid-19. Donc, je vais me permettre de vous donner quelques bons gestes pour prévenir la transmission du coronavirus Covid-19. La transmission, c'est intégral, et prévenir, c'est l'wiqaya. Donc, j'ai dit des bons gestes pour prévenir la transmission du coronavirus Covid-19. Alors, premièrement, il faut bien se laver les mains. Donc, lavez-vous les mains avant et après, et prenez le temps de les frictionner. Alors, frictionner, ça veut dire
les ongles, les bouts des doigts. Les ongles, c'est l'adafer. Les bouts des doigts, c'est l'asabe. Les paumes des mains, yani l'kafliyed. Les poignets, le marafiq. Et l'extérieur des mains, c'est le janib khariji talid. Voilà. Donc, lavez-vous les mains soit avec du savon et de l'eau. Et vous pouvez aussi utiliser un gel hydroalcoolique. Très bien. Deuxièmement, tousser ou éternuer dans votre coude. Tousser, c'est tsalo. Éternuer, ta'atso. Donc, quand vous toussez ou vous éternuez, utilisez votre coude. C'est-à-dire le coude d'Irkom, bah, je t'entends, ou ma t'entends, très bien. Après, on a utilisé des mouchoirs jetables, hein, des papiers, mouchoirs en papier, et vous les jetez. Évitez de porter vos mains à votre nez, votre bouche ou vos yeux. Ni les yeux. Donc, évitez de porter vos mains à votre nez, votre bouche ou vos yeux. Nettoyez régulièrement les surfaces. نظفوا مليح المساحات تاعكم وعدة مرات et aussi les objets courants الأشياء اللي تستعملوهم بزاف نظفوهم donc nettoyer régulièrement les surfaces et les objets courants aussi on a évité les contacts proches comme se serrer la main ou se faire la bise ما تخمسوش ou ما تسلموش c'est interdit pour le moment éviter les lieux fréquentés, évitez les lieux fréquentés ou évitez carrément de sortir, rester à la maison, sauf pour une nécessité, les darura, très bien. On a aussi le port du masque, donc porter des masques, maintenant les masques sont obligatoires, donc voilà, porter un masque. Et voilà, c'était les bons gestes pour prévenir, on a dit pour prévenir la transmission du coronavirus, pour vous protéger et pour protéger les autres. Très bien, maintenant on passe au vocabulaire. J'ai préparé une liste de mots qu'on retient aujourd'hui. Alors, on a, voilà, on a Azma Sahia, crise sanitaire. Donc, crise sanitaire. L'actualité, c'est l'épidémie Web. La pandémie, c'est Web Moustaouten. Non, la pandémie, pardon. La pandémie, c'est Web Alami. On a dit il se propage dans le monde. Web Alami ou la Jaiha. Jaiha. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mot. On a un smur bizafad Jaiha. Pandémie. Endémie, c'est Web Moustaouten. Significatif, on a mu'tabir, wa'il, ou kbir bzaf, donc significatif. Région, région, c'est mantiqa. Pays, baled. Continent, qara. Donc, continent, on a dit qara. Frictionné, on a tchako, tchako ki tchako ke chadjan, ou le frictionné. Frictionné, par exemple, le cuir chevelu, f'char, charman, tchako, ou la dikom, ou la frictionné, hak. Tousser, yis'al. Éternuer, c'est yatas. On a présence permanente. Une présence permanente, ça veut dire wujud da'im ou mustamir ou mustadim. La transmission, c'est intiqal. Et prévenir, c'est l'wiqaya. Le fi'l, c'est waqa ou yaqi. Donc prévenir, la prévention. On a ici se propage. C'est le verbe se propager. Se propage, ça veut dire yintashir. Le virus se propage, ou on peut dire aussi le feu se propage. Voilà, très bien. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Restez positifs. Au revoir.